Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Nous partons en France et je vais vous raconter l'affaire de Ludovic Janvier qui s'est passée il y a maintenant 37 ans. La famille Janvier, originaire de la Sarthe, venait d'emménager dans l'Isère au moment des faits. Elle était composée d'un couple et de quatre enfants. Jérôme 7 ans, Ludovic 6 ans, Virginie 5 ans et Nicolas 2 ans. C'est une famille banale et comme toutes les autres, sans histoire. Le 17 mars 1983, la famille Janvier sont chez la grand-mère à Saint-Martin-des-Rès pour fêter l'anniversaire de Virginie, qui venait d'avoir 5 ans. La journée se passe plutôt bien dans une ambiance de fête, et vers 18h30, le père demande à Jérôme et à Ludovic d'aller au bureau de tabac pour lui acheter des cigarettes. Le bureau de tabac n'était qu'à quelques minutes à pied de la maison, donc vraiment pas loin. Jérôme et Ludovic acceptent et se préparent à sortir. Leur petit frère Nicolas, de 2 ans, fait une petite crise car il veut les accompagner. Alors tous trois sortent de la maison, traversent la place éclairée en bas de la rue pour se rendre au tabac. Sur le chemin du retour, les trois enfants croisent un homme avec un casque de moto sur la tête. L'homme leur dit qu'il a perdu son chien et il promet d'acheter des bonbons si les trois enfants l'aident à le retrouver. Jérôme ne prend pas peur et accepte, mais il ne se doute pas à ce moment-là que c'est la dernière fois qu'il verra son frère Ludovic. Jérôme reste avec son frère Nicolas pendant que l'homme prend la main de Ludovic pour s'en aller vers le parking qui borde la place. Jérôme regarde son frère s'éloigner peu à peu avec l'homme. Et là, il comprend dans le regard de son frère apeuré que quelque chose ne va pas. Jérôme prend alors Nicolas par la main et court jusqu'à la maison de sa grand-mère pour prévenir ses parents. Le père fonce sur la place, mais malheureusement, elle est vide. Ludovic s'est volatilisé. Les gendarmes arrivent très vite et lancent les recherches sans perdre une seule minute. Mais malgré cela, Ludovic reste introuvable. Vous vous souvenez de quoi, vous? Notre père nous a envoyé chercher des cigarettes. Au niveau de la poste, il y a un monsieur qui nous attendait et qui nous a parlé, qui nous a demandé de l'aider à chercher son chien. En échange, il nous achèterait des bonbons. Et puis après, bah, il a demandé de moi et mon petit frère Nicolas de partir d'un côté, puis Ludovic de partir avec lui de l'autre. Et voilà, quoi, j'ai vu le regard de mon frère et j'ai vu que j'avais fait une petite bêtise de le laisser partir avec ce monsieur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été alerter mes parents au lieu d'aller chercher le chien, en fait. Et vos parents, ils ont fait quoi? Ils ont hurlé. Affolés, ils partent à la recherche de l'homme décrit par leur fils. La quarantaine, bouffi, un casque de moto sur la tête. Jérôme aperçut de l'angoisse dans les yeux de son frère. Il a vu quoi dans son regard pour être inquiet? Bah, comme si il me disait laisse-moi pas partir, quoi. Je sais pas, c'était pas le regard d'habitude, quoi. En avril 1983, soit un mois à peine après la disparition de Ludovic, la greffière d'un des juges d'instruction grenoblois reçoit un appel téléphonique pour le moins étrange. Un homme demandait de rassurer la famille Janvier sur le sort de Ludovic. Il disait que l'enfant était en bonne santé et qu'il faisait la joie d'un couple stérile. Et il ajoutait qu'il appelait après avoir vu un article relatant l'affaire dans l'Union de Reims. Mais cet appel, malheureusement, ne sera jamais retracé. 4 jours après sa disparition, toujours aucune nouvelle de Ludovic. Il y a un monsieur qui était à côté de la mairie où il y avait une flaque d'eau. Il a dit, si tu cherches mon chien, je t'achèterai des bonbons. Et puis moi qui aimais les bonbons, alors je l'ai écouté. Et on a été chacun de notre côté. On ne mérite pas ça.
Donc moi, elle est ravisseur du contact, qu'il est bien en vie, qu'il est bien vivant, tout, qu'il est en bonne main. En mai 1985, deux randonneurs qui faisaient une randonnée dans le massif du Vercors s'arrêtent dans une grotte pour manger. Et au fond de cette grotte, ils tombent sur des ossements qui appartiennent à un enfant de 6-7 ans. Mais malheureusement, les experts diront que ce n'était pas Ludovic, car les ossements étaient là depuis trop longtemps. Mais c'est pas tout. Vous allez voir, malgré l'insistance de la famille, pour quand même faire des analyses ADN, pour voir s'il peut appartenir à Ludovic, les enquêteurs refuseront. Et tenez-vous bien, car là, elle est bonne. Le squelette a été détruit par la justice car il n'a jamais été identifié. Et le dossier de la preuve de la destruction du squelette a été perdu. Je trouve ça quand même ahurissant. Pas vous ? Dans les années 2000, une infirmière contacte Virginie Janvier après avoir regardé une émission relatant la disparition de Ludovic. Elle disait qu'elle était persuadée d'avoir vu Ludovic près de Reims, dans l'hôpital où elle travaillait, car selon elle, il ressemblait énormément à Jérôme qu'elle avait vu dans l'émission, pendant le reportage. Moi, personnellement, je reste sceptique. Je reste sceptique sur ce signalement, car il pourrait être fantaisiste. C'est souvent le cas dans les affaires anciennes, où personne a la moindre idée de l'apparence que pourraient avoir les disparus au bout de plusieurs années. La disparition de Ludovic a détruit sa famille. Ses parents ont divorcé, sa mère a sombré dans la dépression, et son père, tellement qu'il s'en voulait et se sentait coupable d'avoir demandé à ses enfants d'aller lui acheter des cigarettes ce jour-là, est mort de chagrin en 2007. Aujourd'hui, ça fait 37 ans que Ludovic s'est volatilisé. Est-il encore vivant ? Est-il mort ? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, je souhaite vraiment que sa famille ait des réponses à ces questions. Car comme a dit sa sœur dans un reportage, il y a quelqu'un qui sait quelque chose quelque part. Et malgré que le temps passe, il peut effectivement toujours avoir des rebondissements. Voilà les amis, cette vidéo est finie. Je sais qu'elle est courte. J'essaierai de faire une plus longue la prochaine fois, car c'est quand même du boulot. Si elle vous a plu, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine !